parce que ce master, il offre une vision critique, parce qu'il aborde des sujets transversaux, parce que l'Afrique est au cœur de la globalisation et parce que le continent regorge d'opportunités qu'on peut saisir avec ce master. ONG, journalisme, recherche académique, fonctionnariat national ou international, conservateur de musée, diplomatie. Parce que c'est une ville internationale, parce que la diplomatie est au cœur de Genève, parce que c'est très proche de la France, parce que les infrastructures pour les jeunes sont très développées et parce que l'enseignement y est de qualité. Alors ce master, il comporte un tronc commun et ensuite vous pouvez choisir entre plusieurs spécialisations, que ce soit sciences politiques, histoire, etc. À la fin, vous finissez avec un stage ou un mémoire et la plupart des gens ont trouvé des stages sur le terrain. On a beaucoup d'intervenants qui viennent d'Afrique et finalement, ça s'adresse à un peu tous les bachelors à partir du moment où vous avez un peu un sens politique, je dirais. Dans le cadre de mon master, j'ai pu partir au Sénégal pour un projet de développement et ça m'a vraiment permis de mettre en pratique la théorie et d'apporter une vision critique, ce qui n'est pas forcément facile dans le théorique. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce master, c'est finalement de dépasser la vision misérabiliste de l'Afrique et de pouvoir comprendre les choses en profondeur et dans leur complexité.